rêver, pleurer. Si je veux accéder au système carte, je dois d'abord en trouver la clé. C'est ma nouvelle mission. Sur le Pandore, c'est le capitaine qui l'a gardé sur lui en permanence. Il y a de grandes chances que cela soit le cas ici. Protocole. La compagnie. Reste à savoir où je vais le trouver, mais j'ai une idée. Sur un vaisseau cargo, le capitaine doit rester en permanence en contact avec l'équipage, grâce à son communicateur. Je n'ai qu'à activer le mien dans chaque pièce où j'entre et chercher à entendre un quelconque signal retour. D'après mes calculs, il me faudra 7 heures pour visiter les différents niveaux. Je peux cibler certaines zones. La probabilité de le trouver dans les niveaux supérieurs me semble bien plus importante que vers les machines. Dans la salle des commandes, c'est ici que je dois commencer à chercher. L'état général du vaisseau me fait douter du temps pendant lequel j'ai dérivé dans l'espace. Il me semble abandonné depuis des années. En regardant mieux autour de moi, je commence à comprendre. Les cloisons sont brûlées, les portes enfoncées, les câbles arrachés. Sur chaque cabine, les plaques portant les noms du vaisseau ou celui de ses habitants ont été retirées, certainement avec les ongles, au vu du sang qui reste à l'emplacement des vis.
crois que je tiens quelque chose. Qui est là? Répondez! Allô? Allô? Je ne comprends pas. Le vaisseau semble vide et habité à la fois. La climatisation est la seule chose qui chuchote à mes oreilles. Mais je m'oblige pourtant à me retourner pour vérifier que personne d'autre ne le fait. Sombrerai-je moi aussi dans la folie? Celle-là même qui a fait s'entretuer mes compagnons. D'ailleurs, si c'est ce qu'il s'est passé dans ce vaisseau aussi, où sont-ils? Où sont les corps? J'erre sur un champ de bataille sans cadavres. Je descends à nouveau vers la salle des commandes. Me voici revenu à mon point de départ. Rien de nouveau. Pas de réponse. Je continue vers l'étage de vie commune. Il est ici, il est ici. Plus très loin, je m'approche. Et ma proie est juste derrière cette porte, celle du réfectoire. Je vais l'ouvrir. Vide. Je m'y attendais. Le communicateur est simplement posé sur une table, à côté de la clé du système carte. C'est impossible. Impossible que le capitaine du Bonté se soit séparé des deux objets les plus importants pour diriger le navire. On dirait un piège dans lequel je vais m'empresser de tomber. Cela confirme cette impression depuis que j'ai abordé le vaisseau. Quelqu'un m'attend. Quelqu'un m'appelle. Quelqu'un m'observe. Il évite le contact pour l'instant. Je vais simplement m'en méfier. Son aide pour trouver la clé me redonne espoir. Il cherche peut-être à me faire confiance. Je n'ai plus qu'à me rendre à l'étage du système carte et redémarrer Mother. Cela ne devrait pas être long. Si le temps est encore une variable importante ici. Les câbles jonchent le sol. Les vitres qui protègent le système carte sont brisées et laissent s'échapper le refroidisseur. Sabotage? Non. Par endroits, le liquide vert fluorescent se mélange à celui pourpre d'un sang. Celui de l'ingénieur principal ou du capitaine. Il n'y a toujours pas de corps, mais ce sont les deux seuls utilisateurs autorisés à entrer ici. Ils se sont battus dans cette pièce et je ne sais pas si je vais réussir à... Je suis Isaac, matricule 821-411, affecté au NS Pandore en mission de sauvetage. Active le réacteur, je me charge du refroidissement du système carte. Isaac, pourquoi le réacteur est-il éteint? Je ne sais pas, Mother, tu dois redémarrer.
Quelque chose bloque les portes sécurité du réacteur. C'est dur. Mother, est-ce que tu m'entends?